Un mouvement de grève illimité paralyse les universités et les grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire depuis le mardi 2 mai. Les étudiants qui dénoncent le paiement de frais pour le retrait de leurs diplômes et le dépôt de certains dossiers ont décidé de donner de la voix. Retirer les diplômes en pays. Aujourd'hui, pour aller même déposer des dossiers de bourse en pays, pour aller retirer les chèques en pays. Vous comprenez? Et on attend un processus de logement où on a mis en place un système pour les inscriptions qui ne fonctionne pas. Et on a bien voulu que M. le ministre trouve quand même ces solutions-là. En grande surprise, il est encore déplacé, comme il déplace tout le temps. Obéissant au mot d'ordre de grève, les étudiants ont déserté les amphithéâtres. Les causes de cette grève m'ont tellement épaté parce que le doyen en question de l'université pourrait au moins résoudre ce problème pour que nous, les étudiants de l'université et les étudiants de Côte d'Ivoire, les futurs cadres de ce pays, nous puissions enfin continuer les cours. À la date du mardi 2 mai 2023, premier jour de grève, aucun incident n'a été signalé.